Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Planet Tower. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et aujourd'hui je viens d'entrer de vacances donc. Et j'ai vu que cette semaine il y avait eu le trailer d'Escaven sur Total War Warhammer 2 pour tenter de montrer les unités donc. Et ainsi les différentes surprises que va nous apporter cette faction. Donc, ce que je vais vous faire pendant cette vidéo, ce sera un petit condensé des dernières news. Donc, à savoir donc les Skaven. J'essaie de vous commenter un petit peu de ce que je sais et de vous en parler un petit peu. Ainsi que bah, j'ai retrouvé la map de Warhammer 2. Donc, et je vous parlerai un petit peu de tout ça et de mes suppositions pour le futur de Warhammer 2. Donc, on est parti. Donc, je vais vous lancer la vidéo une deuxième fois. Hein. Vous l'aurez la première vidéo intégrale avec le son du trailer complet, donc en anglais. Et vous aurez derrière mon commentaire. Donc déjà on peut s'arrêter. Donc là on voit très bien que c'est les Skaven. Hein. Pourquoi? Parce que vous voyez derrière le logo Game Workshop, la cloche hurlante. Hein, donc qui est une des armes de guerre les plus redoutables dans l'univers de Warhammer Battle. Donc cette cloche peut. Je crois que dans mes souvenirs, on pouvait faire des effondrements avec ses vibrations. Donc c'est un clocher, donc ça peut causer des séismes, des trucs du genre bien sympa. Donc, et il y a aussi des éclairs aux alentours, peut-être dû à la Malpierre qui est pas loin, je ne sais pas trop. Mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Donc là, on voit une espèce d'immense tour. Hein, et là, on voit des petits rats qui sont en train de se repaître des cadavres elfes noirs et hommes lézards. Parce qu'apparemment, il y aurait deux batailles à deux points différents de ce que j'ai compris. Ouais, donc là, on a les elfes noirs hein, qui arrivent pour affronter apparemment des Skaven. Et là, les hommes lézards aussi. Avec un Bastiladon. Là, c'est le commandant elfe noir. Donc là, il se pose. En fait, moi, je croyais qu'au début, ils s'affrontaient les deux. Mais. Ah, et là, on voit un des potentiels seigneurs légendaires. Alors, est-ce que là, ce sont les hommes lézards? Non. Et là on voit tous les Skaven qui sont en train de foncer sur les lignes ennemies, que ce soit elfe noir ou homme lézard. Donc j'ai encore baissé un peu le son. Ouais, donc là vous voyez de l'action. Bon les Skaven sont très nombreux, hein, ils sont plus nombreux que les hommes lézards ou elfe noir en général. C'est une faction qui va jouer sur le podium. Et là on voit des moines de la peste, donc qui sont affiliés aux Skaven. Donc il y a plusieurs clans chez les Skaven. Donc on a le clan Pestilien donc, pour les moines de la peste par exemple. Le clan Eshin qui est reconnu pour ses assassins dans mes souvenirs. Le clan Mulder, c'est tout ce qui est bête, je crois. Rat Ogre, Abomination de Malphaux. Le clan Skyr, attendez, dans le livre de bataille, c'était quoi déjà? J'ai juste revérifié. Alors, Pestilien, ouais, donc moine de la peste, j'avais bon. Eshin assassin. Mulder, c'est ouais, c'est tout ce qui est bête. Le clan Skyr, c'est tout ce qui est technologie, mais bon, est-ce qu'on va le voir tout de suite? Je ne sais pas. Et on a aussi le prophète gris, les prophètes gris, donc les magiciens, et la Screaming Bell, donc en anglais, la cloche hurlante pour nous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais vous remettre la vidéo pour voir la suite de ce trailer. Donc là on voit qu'il y a une belle bagarre, hein, et ça on voit une des armes de guerre des Skaven qui a l'air assez redoutable, donc avec ses trous. C'est la roue infernale, je crois, dans mes souvenirs, je vais vérifier. Ouais, ça doit être ça, je crois. Donc c'est ouais, je vois que ça, moi, la roue infernale, ça me dit quelque chose, mais je sais plus si c'est ça exactement. Donc, si jamais vous avez la réponse dans les commentaires, n'hésitez pas à me le signaler, ce serait toujours sympa. Allez, hop, la roue qui est en train de percer les formations. Alors là, il y a une mêlée qui s'engage entre les Skaven et là. Ah, une des belles armes aussi, la Rattling. Une arme qui tire à la malpire des munitions. Donc c'est une grosse Gatling version rat et assez douloureuse. Et apparemment ils sont que deux pour tenir cette arme. Donc vous voyez l'assistant derrière ainsi que devant le tireur. Et ça fait très mal. Hein. Ah, je crois qu'on a repéré un des lords légendaires. Attendez, je vais essayer de vous le remontrer. Après c'est peut-être qu'un moine de la peste, hein. Je vous le remontrerai bien. Alors lui. Il m'a l'air assez intéressant parce que je ne crois pas que ce soit un simple moine de la peste. Pourquoi? Parce que c'est son livre qui m'interpelle dans le dos. Et apparemment, de ce qu'avait révélé Sega Creative Assembly dessus, il s'agirait de Lord Skrull qui serait un ancien et pré-vieux prophète seigneur de la peste. Donc il est béni par le racornu, donc voilà. Il a aussi
comment dire, c'était à la base un simple moine de la peste, mais c'était aussi pour offrir ses services à Nurgle, donc il y a une place dans le conseil, parce que les Skaven ont un conseil aussi, donc le conseil des 13, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui connaissent. Et apparemment, il y a des places spécifiques, donc apparemment, le 6, le premier, le 12e, ils seraient les plus forts du conseil, donc dans l'ordre, et le 6 et le 7e, ce seraient les derniers, donc les mauvais, quoi. Donc voilà. Au niveau de l'équipement, qu'est-ce qu'il aura, notre ami Skrull, pardon. Il aurait le Liber Bibonicus, donc c'est un livre qui regorge toutes les maladies et infections du vieux monde, ça peut être pas mal. Donc, il aura certainement un domaine de la ruine et de la peste, certainement. Il a aussi un bâton de corruption qui permet de lancer des sorts magiques de ce domaine-là, et ça peut faire très mal à mon avis. Donc parenthèse terminée. Hop. Oh là là, là il met KO des hommes lézards, et là. Ouh! Regardez ça! Bon, je vais pas, vous le voyez peut-être bien, mais là c'est un Raogre en fait. Et contre un seigneur Old Saurus, donc un seigneur ancien des Saurus, bah vous voyez un peu la bête. Et surtout que là, elle le maîtrise bien, mais regardez ce qui arrive dans le dos. Voilà. Ah, et là, bam! Le second général légendaire. Le seul et l'unique, Quick Coupe-Tête. Donc apparemment lui il serait plus spécialisé corps à corps, donc il appartient au clan Morse, donc il est un clan guerrier de ce que j'ai compris. Il est l'un des meilleurs combattants Skaven du jeu, donc enfin un des meilleurs combattants du jeu de ce que je comprends. Apparemment il est haï des gobelins. Attends, il est craint par les gobelins et respecté par les orcs. Par contre les nains le haïssent tellement parce que bah comment vous expliquer Il me semble que c'est lui dans le lore de End of Time qui a assassiné les deux fils de Belagar et qui l'a tué, je crois aussi Belagar en personne. Donc, il a aussi un truc sympa, c'est qu'il a une garde d'élite de vermine de choc. Donc les vermines de choc, ce sont des troupes d'élite, les gardes personnelles des seigneurs, on va dire, un petit peu comme la Red Guard avec l'Empire par exemple, hein, pour vous donner une idée, ou les gardes des cryptes avec les contes vampires. Le niveau unité, c'est plutôt pas mal. Alors. Il a aussi une collection de cadavres sur son dos, vous le voyez avec l'image que je vous montre ici. Il a alors, en gros, sa collection, il a la tête de Krugman de fer, de Karazhan, pour ça doit être un nain. Celle d'Ikid Slash, du pixel, certainement un orc ou un gobelin. Ou autre chose, je ne sais pas. Les os du chef gobelin Droskar et les mains du baron Albrecht Kraus d'Averland, donc un humain quoi. Donc, il a plutôt une belle collection. Donc, à mon avis, ça va être quelqu'un spécialisé dans le 1v1, je pense, vu l'équipement qu'il a. Après, c'est qu'une supposition. Concernant son. Enfin, vu les trophées qu'il a, pardon. Concernant son équipement avec les objets magiques suivants, donc il a l'arme personnelle. Donc, en gros, c'est une arme qui s'enfonce dans l'armure comme une lame chaîne, comme du vent. Donc, en gros, c'est une lame qui permet de tuer les nains spécialement et les blesser avec une facilité aisée. Il a aussi une armure de Malpierre, donc la Malpierre c'est la fameuse ressource verte que vous voyez dans le trailer avec les éclairs certainement. Et en gros c'est aussi une armure qui est gravée de runes pour canaliser l'énergie maléfique du racornu autour de lui, c'est plutôt pas mal. Donc en gros ça va être du très très lourd pour les Skaven. Et on a peut-être enfin une de possibilité de contrer les nains avec ceci. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Donc on va continuer le trailer pour le moment. On verra la suite du roster dans le PDF. Donc là, on voit un dragon qui arrive. Ah, là c'est du gros. Ah bah. L'abomination de Malphos. Donc en gros, de ce que j'ai compris d'un ami que j'avais vu au Camp Planet tout à l'heure. Donc, il s'appelle Exilalfan. Si jamais tu regardes cette vidéo, merci à toi. En gros, ce sont des runes qui ont été capturées par le clan Mulder et qui ont été modifiées. Donc voilà, admirez la bête. Donc, on va voir un petit peu les dégâts que ça fait contre un dragon noir. Oh punaise, ah bah là, il sent pitié ce truc-là. Donc voilà. C'était le trailer de Warhammer 2 avec les Skaven. Donc, on va pas se laisser là, hein, les amis, rassurez-vous. On va faire un petit tour du côté du PDF que j'ai réussi à dégoter. Donc, comme je vous le disais, on a différents clans. Eschine, Pestilien, Mulder, Skyr. On n'a pas trop vu le clan Skyr, je trouve, dans ce trailer. Peut-être que je l'ai mal vu. Alors, on va aller de cette quelle page? À partir de la page 24. Donc, on va y aller. Tac. Donc, en gros, ils sont spécialisés dans la machine. Hein. Enfin, attendez, je me suis trompé là, Mulder. Ou attends, wait. Attendez, excusez-moi.
C'est le clan Skyr, pardon. Le clan Mulder, c'est tout ce qui est bête. Donc rat, ogre, abomination de Malphos, maître de bête, des choses comme ça, bien sympa. Ou rat géant même. Donc, alors, rat ogre, non, c'est pas ça. Clan Skyr, voilà. Donc, eux, ils sont plus basés sur la technologie, comme je vous le disais. Donc, on a des Warplock ingénieurs, donc des ingénieurs. Des Jedi, donc ça doit être certainement des snipers, des tireurs, des trucs du genre. Donc, attendez, Jedi. Ils ont aussi des rats qui portent des Globadiers empoisonnés, donc ce des sphères de grenades, de ce que je me souviens. C'est assez terrifiant. On a le canon lumineux là qui a l'air pas mal, donc ça, à mon avis, ça peut faire très très mal ce truc. Avec un bon jet et de la malpierre. Donc. Ils ont peut-être des lance-flammes aussi, de ce que je vois. J'ai oublié le nom de l'unité. Oh, ça c'est le canon. Alors attends. C'est toujours la même chose, ouais. Et ça, c'est la cloche hurlante, hein, donc que vous connaissez tous, hein, qui permet de faire assez mal et qui est souvent un prophète gris. Voilà, donc je regarde un petit peu le roster de ce qu'ils disent d'autres. Je vais le mettre en français. Peut-être que j'ai oublié des choses. Et ça va peut-être nous apprendre davantage de choses. Donc. Alors, on a le domaine de la peste ou de la ruine, ouais. Gna gna. Alors, au niveau du roster, donc on a Kwee Coupe-Tête, qui est plutôt assez badass au corps à corps, donc à surveiller de très près. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les prophètes gris, donc ce sont des héros spéciaux, donc qu'ils auront le domaine là, de quand je vous disais. Ah, il utilise aussi le domaine de la peste Lord Skrull, donc ok, donc très bien. Pas de domaine de gris, prophète gris pour le Skrull, donc ça que du domaine de la peste, donc à savoir du Nurgle en gros, on va dire ça. Il peut être à pied ou sur la cloche hurlante. Le héros de mêlée, on aura l'ingénieur Warlock, donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça peut être cool. Le prêtre de la peste, on l'a aussi. Il peut être à pied ou sur un four à peste. On a des esclaves Sklaven, donc c'est des troupes de base, hein. À lance ou frondeurs. On aura des frondeurs, ça va être pas mal, peut-être contre la cavalerie de certaines factions, donc je pense notamment aux elfes noirs ou dragons, enfin aux elfes noirs, aux lézards ou autres. Ça pourrait être intéressant. Les guerriers des clans, c'est un peu au-dessus des esclaves. Donc, ils seront avec bouclier, lancier, donc anti-large. Et lancier-bouclier. On a la vermine de choc à hallebarde, donc anti-large, perce armure, certainement. Comme avec l'hallebardier de l'Empire de Warhammer 1. Les vermines de choc avec épée bouclier, donc là c'est du bon bretteur. Peut-être anti-infanterie potentiellement. On a les moines de la peste, qui peut être pas mal. Les porte-censeurs de la peste. Donc des moines là encore. Les coureurs de nuit, ça doit être certainement des unités de tireurs. Donc certainement, je crois que c'est des arbalètes au poignet ou des pistolets, je sais plus. On a les coureurs de nuit avec fronde, c'est pas mal. Les coureurs d'égout. Coureurs d'égout empoisonnés, donc certainement flèches empoisonnées ou munitions empoisonnées. D'autres coureurs d'égout avec fronde, pareil, donc poison. Coureurs de la mort, ça doit être des petites fines lames entre guillemets qui peuvent être bons dans le dos. Équipement d'armes, Warfire Thrower, je sais plus ce que c'est, ça doit être certainement le lance-flammes. Les trucs grenades empoisonnées, ouais. Bombardier Devglode, ça peut être pas mal. Les rats ogres, bon, on les connaît. Catapulte de la peste, ça va faire très mal, une belle catapulte. Canon lumineux. La roue dentée, donc c'est ce qu'on a vu. Et l'abomination de Malphos, donc. Rappelez aussi Abomination de l'Enfer ici. Donc ça permet plutôt de bonnes choses pour ce jeu, donc. Ce roster va être assez redoutable. Bon, je pense notamment contre les nains, parce que contre les nains pour le moment, je vous avoue, à part la Norska et de temps en temps les vampires, je vois pas ce qui peut rivaliser un petit peu avec, à part affronter à d'autres nains, mais encore. Donc là c'est bon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là c'est fait. Ah oui, pardon. Désolé, il y avait un moteur qui vient de passer. Alors c'était ça que je cherchais depuis tout à l'heure. La map, donc. Voici la map de Warhammer 2 pour ceux qui l'ont pas vu. Donc j'ai pas eu le puis l'obtenir en meilleure qualité, donc j'espère que ça vous ira. Donc on voit qu'on a Nagarond ici, donc ça sera les terres des elfes noirs. Donc alors ça sera Nagarond et le culte du plaisir, donc peut-être pour la mère de Malekith par exemple. Au niveau des hauts elfes, on a Lothern, donc ça sera certainement Tyrion qui va diriger ça, et Lord des Lord Master sera peut-être Teclis vu que c'est un magicien. Concernant les hommes lézards, alors là. Là, je sais pas trop. Donc, alors, les derniers défenseurs, je dirais peut-être que ce sera Krogar et Exo-Atoll. Donc, la cité, peut-être avec le slan Mansman-Mundil, pardon. Donc, ça pourrait pas. Bon. Et à mon avis, là, les points d'interrogation, c'est certainement les colonies Skaven où ils vont
ils vont être représentés. Donc, en gros, ce sera dans les colonies en ruine. Et quand vous les reconnaissez, soit vous avez rien et vous pouvez reconnaître les tranquillou, soit bah vous devrez affronter des scaven. J'espère que ce sera pas trop cheaté les scaven au début, parce qu'avec leurs armes à mal pire, je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Donc, il y a pas mal de colonies dans le vieux monde. Donc, il y aura certainement des scaven en Amérique du Nord, donc chez les elfes noirs, donc chez les hommes lézards, c'est certain. En Afrique, bon. Comment... Ah oui, on a aussi l'Afrique, hein, ça, pour ceux qui se posent la question, on l'a bel et bien. Et on aura certainement les rois des tombes, hein, qui vont être potentiellement ajoutés, donc je dis bien. Mais ça sera certain pour moi, je sais pas si ça sera en free LC avec l'ajout, ou hors DLC plus tard, on sait pas. Donc on a plutôt du beau potentiel sur ce jeu, en combinaison avec le premier. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On a aussi des guerriers du chaos, donc qui sont là, les Skyling, donc avec l'Albion, donc en faisant le lien avec la première mer, et la première map, pardon. On a la côte vampire ici en Afrique, ça peut être pas mal. Donc les vampires, c'est tout ce qui est pirate et tout, à savoir les Archons, hein, je pense à Wallach Archon en priorité. L'Empire Strigos, peut-être des ghouls, je sais pas. On a des tribus d'orques, j'ai l'impression. On a des ordres de chevalerie en Afrique avec l'Arabie. On a la côte arabe, je pense notamment aux chevaliers de l'Origo, les chevaliers de la flamme. J'avais cru voir des chevaliers Karakhan. Il y a aussi une cité naine ici, ce qui me surprend un peu. Je m'attendais pas à voir des nains en Afrique. Enfin, en Afrique, ouais, c'est là. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On a les croisés Tegans, les vipères bleues, Arachnos, c'est certainement des petits gobelins ou des trucs ou d'autres tribus. D'autres tribus comme peut-être les Amazones, je sais pas trop. Mais bon, en tout cas, on a plutôt de bonnes choses dans ce deuxième opus. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Moi personnellement, je suis assez optimiste pour Warhammer 2. Bon, même si ceux qui n'aiment pas Warhammer, parce que c'est fantastique, bah c'est comme ça, hein, mais bon. Moi en tout cas, je suis plutôt satisfait de ce qui va arriver. À mon avis, il y aura certainement des systèmes de confédération pour les quatre factions. Je mettrai peut-être un petit point d'interrogation sur les Skaven avec les différents clans, je ne sais pas trop. Mais homme lézard, homme elfe noir et haut elfe, ça doit être certain. Certainement aussi plus tard pour les potentiels rois des tombes, hein, parce qu'il y a plusieurs cités, donc Khemri, Zandri, je crois, et une autre au sud dont j'ai oublié le nom. Mais bon, donc je pense avoir fait un bon récapitulatif sur les Skaven de Warhammer 2 et les dernières nouvelles. Donc ceci la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Donc si jamais vous avez trouvé des informations qui étaient un petit peu fausses, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire, pour histoire que j'apprenne un petit peu mieux le lore de Warhammer Battle. Hein. Je ne suis pas un grand expert, pardon, mais j'essaie de faire comme je peux. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut à toutes et à tous les amis, c'était Kaiser von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures les amis. Au revoir.